Après l'empire des Ikans, les successeurs de Genghis Khan, qui se développera surtout en Perse, c'est un nouveau style qui apparaît dès le XIVe siècle avec la dynastie Timouride. En Ouzbékistan se succèdent toutes les richesses de cet empire. Au point d'intersection des principales voies de communication vers l'Inde, la Perse et la Turquie, le pays devient un véritable phare qui attire les céramistes de Chine, les orfèvres de Perse, de Géorgie et même de Syrie, qui formeront de véritables colonies d'artisans. Le plus grand héritage de cette époque reste sans doute le travail de la céramique. Vaisselle de luxe ou ornements monumentaux, la céramique est un élément essentiel de l'identité du pays. L'atelier de céramique de Samarcande dépend d'un organisme gouvernemental qui regroupe plusieurs corporations artisanales. L'A2OT, l'action ouverte des communautés, provenant directement du modèle de l'ancien régime soviétique. Madame Vera Kondratienko est la directrice de Mémoire 96, nom de l'usine où 24 hommes et femmes s'affairent à fournir les commandes permanentes venant de toute l'Asie centrale. Le travail le plus basique reste la production des briques hexagonales ou rectangulaires. Elles peuvent composer un mur entier ou simplement décorer une entrée. Au moyen d'un gabarit rudimentaire, les briques, encore anglaises, sont coupées à l'identique, puis stockées et enfin peintes. La brique est colorée à l'aide d'une glaçure à base d'oxyde d'étain. Leur motif se compose d'un style simple. C'est une fois cuites et assemblées les unes à côté des autres que l'ornement prendra toute sa dimension. L'architecture ouzbek présente une unité de style à travers la décoration et les motifs des monuments. À partir de modèles classiques, dont la plupart ont été établis dès le XIe siècle, on copie les thèmes iconographiques. Et l'artisan doit ensuite apporter à la création ce qui n'a jamais été réalisé pour garantir l'originalité d'un édifice. Les illustrations ne sont pas directement peintes. Un poncif de papier fin et percé de petits trous est porté sur la paroi pour reproduire le motif à l'aide d'un tampon de poudre de charbon de bois. Apparaît alors une esquisse sur le support déjà cuit une première fois. Pour la deuxième étape, l'artisan s'emploie à relier les côtes à la pointe pour relever le dessin final. L'atelier est autonome. Tous les produits utilisés sont fabriqués par ses employés. Ici, les teintes sont obtenues de façon naturelle, par un savant mélange d'argile diluée et d'oxyde de métaux réduit en poudre.
La mixture est broyée plusieurs fois, dans un moulin mécanique ou électrique, jusqu'à obtenir une pâte fluide qui servira de revêtement. Dernière phase avant la cuisson, la garniture des éléments. Les couches à poser sont épaisses, car une fois cuites, les briques deviendront imperméables et résistantes à l'usure du temps. Les différents coloris obtenus dépendent des nombreux oxydes de fer, de cuivre, d'étain et d'argent mélangés à la fabrication de la peinture. Une fois séchées au soleil, les pièces sont ensuite cuites dans des fours à une température de 1100 degrés pendant 23 heures. Il reste ensuite 3 jours dans le four, le temps de refroidissement. Orangé au départ, la couleur bleue obtenue après cuisson est due à une réaction chimique à très haute chaleur par les oxydes métalliques. Tous ces fragments disposés sur un mausolée, une mosquée ou un palais composeront de véritables fresques qui font la splendeur du pays. Autre élément noble dans les constructions d'Ouzbékistan, le bois. Pour chaque seuil de maison, il existe une porte différente. Des chambres des madrasses à l'entrée d'un palais, toutes les portes se distinguent les unes des autres par les sculptures qu'elles présentent. Elles sont les reflets du niveau culturel, social ou religieux de l'habitant. À Kiva, au nord du pays,
Sultan Hassan et Shafkat sont trois frères célèbres dans toute la région pour leur sculpture sur bois. Ils ont même reçu la médaille d'or des meilleurs artisans d'Asie centrale. C'est d'ailleurs chez eux que le président Chirac a commandé une porte pour son château en Corrèze en 1998. Fleurs, bas-reliefs et estampes se retrouvent aussi sur les sculptures sur bois. La pratique des enluminures est la même depuis 900 ans. Mais là encore, c'est le style de l'artisan qui va déterminer l'originalité d'une œuvre. Ces trois frères mettent une fois par semaine leur savoir et leur atelier à la disposition des jeunes de Kiva désireux d'acquérir une expérience et une renommée professionnelle. Le travail sur le bois se retrouve sur tous les édifices du pays. Des colonnes des mosquées ou des palais, les artisans du bois ont toujours contribué au faste des constructions qui font la splendeur de la région. Adache Aliyev est maître luthier à Samarcande. À l'occasion de rencontres culturelles internationales, il lui arrive quelquefois de parcourir le monde pour répandre son art et échanger son savoir-faire avec ses confrères d'Europe, d'Afrique ou d'Inde. Marteler, modeler, ciseler puis poncer, chaque pièce d'ustensile est fabriquée séparément, puis assemblée les unes aux autres pour donner une pièce unique.
كاسلو جيت كي اكو ما ما نمشول هم قدر كدام وريشة باي ربوبا ربوبا نشون تيمو ما ربوبا Une fois l'instrument achevé, il reste ensuite à affiner, puis à accorder la sonorité de l'instrument à cordes pour le voir aux mains de musiciens de Chamacan. L'Ouzbékistan est encore de nos jours riche en traditions et la musique joue une part importante dans la vie quotidienne. Au IXe siècle, un nouveau style musical apparaît dans les centres de Boukhara et Samarcande, pratiqué par les princes et les gouverneurs de province. Émerge alors cette véritable musique de cour, le chamacan. C'est une combinaison musicale codifiée pour 5 à 6 instruments, principalement à cordes, où les artistes sont chanteurs, instrumentistes et compositeurs. À Samarcande, près du Régistan, la place des Sables où des jeunes filles se rendent chaque jour dans un atelier de broderie de fil d'or qui confectionne des costumes traditionnels. Les bactrées, riches ornements cousus sur les costumes d'apparat, existaient déjà du temps des rois et elles se portaient pour les réceptions des princes ou les sacres royaux. Aujourd'hui, son utilisation s'est limitée au mariage ou aux grandes occasions religieuses. Mais la façon de l'étoffe reste inchangée. Un grand tissu de velours sombre, bordeaux noir ou bleu, est placé sur un tendeur. Et les brodeuses exécutent leur dessin à motif floral en relief avec du fil d'or. Chaque pièce est brodée séparément, puis les manches, le col et la doublure sont joints au corps pour produire un manteau authentique qui fera la joie des nouveaux mariés. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de temps.
Aujourd'hui, les femmes ont délaissé leurs lourds costumes traditionnels pour des robes légères en soie aux couleurs vives. Dans les galeries marchandes de Boukhara, beaucoup d'échoppes vendent de larges bandes d'étoffes de soie. Dans les arrières-salles, des femmes assises à leur métier à tisser passent leur journée à dresser ces étoffes. Chaque fil de soie est disposé de manière à reproduire des motifs symétriques. Ils sont tendus grâce à des poids suspendus à l'extrémité du métier et le travail avance millimètre après millimètre. La plupart du temps, ces toiles sont destinées aux particuliers pour se confectionner des robes légères et colorées. Charnière entre la Chine et l'Orient méditerranéen, la civilisation islamique fera de l'Ouzbékistan un haut lieu des arts. Véritable héritage de plusieurs influences, l'artisanat s'épanouira dans toute l'Asie centrale et restera une référence dans le monde entier.